On n'a jamais créé un moteur comme ça. Et aujourd'hui, regardez sur votre écran à côté comment ça a été créé au fin fond du Maine entre 5 blocs de glace et 4 parpaings. Attends, Allez, Buster. salut Icam, comment tu Bien vas? et toi? Et tu nous parlais, Icam, que tu comptais sûrement bientôt investir, tu seras peut-être le 1046e. Donc Icam, moi ce qui m'intéresse, c'est ton avis. C'est vrai, comme on peut le voir, ça va faire pas loin d'un an que je suis devenu investisseur de la société. Je t'en ai toujours parlé, J'ai pas fait. t'as pas sauté le pas, malgré que tu investissais dans la crypto. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te décide justement à le faire? Ça te fait quoi Exact, ouais, je... de rejoindre cette grande famille du... C'est cool, hein, ouais. Non. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est surtout parce qu'on les connaît un peu. Et moi, je le fais parce que ben, le moteur, ils ont prouvé qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savent où ils vont, tu vois. Ils font pas ça à l'aveugle. Puis bah moi ce que je te propose, Icam, c'est qu'on a vraiment là où ça nous intéresse, qu'on aille voir un coup le site OneFunder. Je pense que tu as dû l'étudier quand Ouais. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses au premier abord? Je pense que OneFunder, tu as dû le découvrir avec BlueShift. En vrai, le site est quand même bien construit, je trouve, en soi. C'est détaillé, hein, t'as tout qui est détaillé, etc. On va commencer par ça. Par exemple, quand vous voulez investir, vous arrivez du coup sur bah, le tout premier lancement. Donc, du coup, le Stardust One, Ouais. avec un petit résumé. Dessous, on a des aperçus, on a des détails. On a des mises à jour faites par Sachet. Ce que tu peux avoir aussi, une fois que tu as investi dans un petit onglet, ça, on reviendra dessus un peu plus tard. Ce que les gens disent aussi, c'est Les aussi gens se important. disent, voilà, en fait, tu as le retour de ceux qui ont investi. Donc, savoir si tu investis, est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas. On s'arrête souvent sur 7, mais j'ai l'impression, tu vois, tu vas peut-être comprendre, toi qui aimes Apple, j'ai l'impression que 7, et même l'ensemble de l'équipe de BlueShift, quand ils parlent de Sacha, leur PDG, j'ai l'impression de voir les employés d'Apple qui parlent Steve Jobs. ouais, qui parlent de Steve Jobs. J'ai cette De impression-là. ouf. Derrière, je vais vous lire le message. Sacha est un visionnaire, il n'est pas seulement optimiste dans sa personnalité, mais très concentré, oui. BlueShift peut dépasser les autres sociétés, notamment en utilisant un carburant de fusée non toxique, biodérivé et neutre en carbone. Oui, BlueShift peut devenir la première entreprise aérospatiale de base au monde, propulsée jusqu'à la rentabilité grâce et à rien d'autre que des subventions de recherche. Mais si vous suivez l'entreprise, vous verrez que tout se passe vraiment et rapidement. Je pense que c'est à tout résumé. Et nous qui De les ouf. connaissons, on peut que approuver son message. Je sais Ah pas ouais, non, réellement ce que clairement. t'en penses. Quand j'ai découvert BlueShift, bah en fait je cherchais à faire des lancements spatiaux. Et je sais plus comment je suis tombé dessus. Je tombe sur une miniature un peu déglinguée, excuse-moi, c'est un pour l'époque, d'une fusée sur un fond blanc. Bon. Bah j'ai décidé de les streamer. Ça n'a pas marché. Et puis alors, deuxième essai, Icam, t'étais là, et c'est là on va dire que l'aventure est partie. Qui était la Stardust One au début, au fin fond de la cambrousse polaire. Et puis c'est. Ils avaient pratiquement pas grand-chose, hein, tu vois. Malgré tout, il y avait un effort de streaming. Et même Clair. pas 6 mois après, les v'là avec 500 000, maintenant 900 000 dollars. Demain, ce Bah, c'est sera 1 insane, million. Mais juste donné par le public. C'est ça le pire. Juste hein. donné par le public, c'est un truc de fou. C'est ouf. Donc je suis d'accord avec Seth quand il dit tout se passe vraiment très vite, etc. Et alors qu'est-ce que tu penses de son message quand il dit BlueShift peut dépasser les sociétés spatiales déjà présentes, déjà bien installées? On parle d'une société qui peut faire leur propre carburant bio et tout, sans carbone, etc. De l'autre côté, t'as SpaceX, ou concrètement Elon Musk, qui s'en fout de polluer, il a rien à foutre. Lui, il veut road to Mars et il s'amuse à faire balancer la crypto un coup-ci, coup-ça. En fait, c'est deux mentalités différentes. Donc, je sais pas. Après, le futur, on sait pas ce qu'il peut nous réserver, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui t'a décidé, au final, j'ai envie de te dire, non seulement de faire confiance à BlueShift, bon, je pense que là, on va pas revenir dessus, je pense que tu leur fais assez confiance, surtout de faire confiance à ce site. Oui, Je comparé à sais d'autres pas, hein, sites, oui. je te pose des questions. Hein. Comparé à d'autres plateformes comme Kickstarter ou d'autres gens passent, c'est pour moi la meilleure au niveau sécurité. OneFunder est interdit par la loi de toucher à votre argent. Donc, si on en croit ce que nous dit le texte, OneFunder n'a pas accès à l'argent qu'on leur donne. Je pense que tu vois, l'argent est bloqué dans un compte et justement, ça nous précise après. Lorsque vous investissez, vos fonds sont transférés sur un compte séquestre, donc un compte bloqué, si je comprends bien, Icam, C'est sous ça. la garde de Boston Private Bank. Alors, Boston, moi, ça me parle parce que c'est là où on devrait atterrir quand on ira voir BlueShift. On ira peut-être à la banque récupérer notre fric. Si la levée de fonds réussit, donc en gros, là, je vous fais le topo.
Blue Shift a un objectif d'$1 million. Donc là, on peut dire que Blue Shift construit ses fusées à crédit, puisque si on en croit ce que dit le site et le règlement, l'argent, donc les $1 million, ils ne les toucheront seulement que quand le million sera atteint. Si la levée de fonds donc réussit, donc si Blue Shift atteint les $1 million, votre argent sera remis à la start-up. Dans le contraire, il vous sera remboursé. On ne peut que être assuré. Si la société réussit, c'est banco pour elle et pour toi au final. Si ça ne réussit pas, tu es remboursé. Bien Ça. sûr, la commission que tu as payée au site ne sera pas remboursée, hein, forcément. Ouais. Mais l'essentiel. Après, Là, ce que j'aime bien au site Wycam, c'est que le site, d'après toujours ce qu'on peut lire, s'interdit de recommander des startups sur lesquelles investir. Et c'est ce qui différencie beaucoup, j'ai l'impression, des différentes applications ou sites internet d'actions. Et il le précise même, non, il est illégal pour nous d'approuver ou de recommander une entreprise. Donc toujours dans l'optimisme de ne pas pousser à la consommation. Justement, tiens, Ikem, tu m'en as parlé, et un peu comme les Tipeee, ils ont un peu ce système de récompenser également, on va dire, les personnes qui investissent à partir d'un certain palier. 16 207, je sais pas pourquoi ils ont mis 16 207. Je sais pas du tout. Pas d'explication, je sais pas. Ça a peut-être une Fournisseur de signification, il faudra peut-être parrainage. en parler. Participer à une expérience du coup de CubeSat, tu vois que je veux dire, c'est quand même assez accessible, quoi. Bon, c'est pour une entreprise, hein, je parle. Pour un particulier, ça reste. Voilà. Et donc le dernier palier, 25 000 dollars. ICAM, qu'est-ce qu'on a pour 25 000 dollars? Alors, recevez Estimé une ça. invitation exclusive dans la zone VIP près du contrôle de mission lors du lancement, quantité limitée bien sûr. Voyage embarquement non inclus. Donc en gros, ICAM, ce qu'on va faire en fin d'année, ça vaut 25 000 dollars par personne. Hein. Quand même. C'est quand même pas mal. Hein. C'est plutôt un beau C'est cadeau quand même. un très gros même. Pour le coup, là, on est sur du lourd. Si demain quelqu'un voit cette vidéo et finalement est intéressé par Blue Shift, quel conseil tu lui donnerais pour prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire est-ce qu'il faut oui ou non investir directement Seth ou quelqu'un de Blue Shift? Vas-y. Je contacte directement, c'est les spécialistes, hein, je t'avoue. Hein. Donc toi, tu conseilles au nouveau de déjà contacter la société et ensuite investir? Ouais. C'est ce que tu conseillerais, toi? Sachant qu'ils répondent un peu à tout le monde, je pense que ça peut être cool, ça peut prouver aussi aux gens qui sont là, qui écoutent, qui répondent, qui Ouais. sont pas là que pour la thune, tu vois. Donc ouais. Puis bien sûr de les rejoindre sur leurs différents réseaux sociaux. Alors là, ils sont pas à jour, ils sont maintenant sur TikTok également, mais ils sont également voilà sur Twitter, Instagram, Facebook, hein, sur tous les réseaux qu'on puisse connaître aujourd'hui. All systems go. Test C'est imminent. parti, c'est parti, les tests sont terminés. Allumage. Oh punaise, ça marche!